voilà, écoutez, on va démarrer. Merci à tous, hein, d'ailleurs, tous ceux qui sont là. On va commencer, du coup, Parc-en-Ciel. C'est nice. Ça fait un petit moment, là, que je suis pas retourné dessus. Donc, ouais. Juste bien me réhabituer au contrôle. Bon, ça va pas prendre 3 plombs non plus. Ouais, c'est bon. Allez, je suis réhabitué. C'est bon. Là, là, là. Y a pas un truc, là? Oh, oh, ouais, si. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc, écoutez, attendez, on va faire ça. Ouais. C'est bien ça. Déjà, la première. Ok, voilà. Ensuite, la deuxième. Ouais, celle-là, elle est simple. Celle-là, est très simple. Hop là, magnifique. Donc, voilà. Là, on fait ça en live. Bah, dites-moi ça vous plaît, comme ça. Enfin, si vous préférez ou pas. Voilà, je me dis... Je me suis dit, au lieu de tourner une vidéo longue, bah, direct faire ça en live. Et après, j'en refais une vidéo. Enfin, j'en fais un montage, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, dites-moi ça vous plaît. Et puis, pour le prochain épisode, on fera pareil. Voilà, le prochain épisode, on fera les deux derniers mondes du jeu. Ouais, alors, attendez. Y a pas une fleur, ici? Ouais... Nice. Tu fais le jeu complet. Ouais. Enfin, on va pas le... J'ai chaud. Ah oui, c'est vrai. Ouh, let's go. Oh là là, le méga champi. Quel banger, ce power-up. Je vous jure. Hop là. Ah, puis les squelettes, ça les one-shot. Let's go. Incroyable. Et ouais, dites-moi si ça vous plaît comme ça. Et puis ouais, pour le dernier épisode de ce jeu, si ça vous dit, on le fait en live aussi. On le fera en live. Ok. Ok, let's go. Et puis, eh ben pour les prochains let's play 100% qu'on fera, donc là en l'occurrence ça sera Mario Galaxy pour le prochain. Et ben pareil, on fera en live si ça vous intéresse. Enfin, si vous préférez que ça soit en live, en fait. Let's go. First niveau, first level complete. Donc là aujourd'hui on va jouer avec Harmony. Sauf qu'on le débloque dans le prochain niveau, en fait. Donc là faut que je fasse le prochain niveau, là le deuxième. Ok, checkpoint, nice. Faut que je termine le deuxième niveau et après et là on pourra jouer à Harmony, tout simplement. Et bah écoutez, on va continuer. Quoi, c'est l'affiche du premier niveau qui s'est mise? Une super galaxie. En parlant de Mario Galaxy d'ailleurs. Et ben voilà, une bonne référence pour Mario Galaxy. Et bah là on va jouer Harmony du coup. Ok, donc la dernière fois j'avais fait ça avec Peach. Donc là c'est pour ça que je suis avec elle. Ouais, ok. Ouais, j'ai pris Peach, ouais. Mais c'est juste pour les deux premiers niveaux. Après on prendra Harmony vu qu'on la débloque à la fin de ce niveau, tout simplement. Et écoutez, voilà. Ouais, donc regardez, comme je vous disais, là juste avant je suis mort. Et l'étoile qui est là, et ben je l'ai déjà récupérée. Et j'ai pas besoin de la re-récupérer, en fait. Elle reste récupérée, en fait, tout simplement. Ouf. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. Ok, nice. Hop là. Et aussi je continue avec Peach parce que la dernière fois en fait je l'avais prise là pour l'épisode d'avant. On avait fait le monde de Bowser, mais il me semble qu'on avait fait que ce monde là. J'avais fait que ce monde là du coup d'une certaine manière. Ah ouais, là il me faut le chat, ouais. Ça c'était trop relou. Je pense que tu peux monter ici sans le chat, mais c'est chaud. Ok, j'avais trop peur de tomber. Ouais, la dernière fois en fait j'avais pris Peach, mais j'avais pas énormément joué avec. Parce que j'avais fait que le monde de Bowser, en fait. Voilà, donc là pour les deux niveaux qui restent, eh ben on la prend. Et la dernière étoile est là. Ok, ouh, j'ai eu chaud. Je pensais qu'on pouvait remonter direct, mais en fait non. Ok, nice. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud. Salut Harmony. Elle se protège contre les coups de griffe de Peach. Et ben voilà, deuxième niveau out, ça fait plaisir. C'est quoi ton code ami Switch? Alors je vais peut-être le donner, mais pas en live. Après, si je reçois 30 000 demandes, c'est bon quoi. Pour moi, c'est full découverte le monde étoile. Ah, ok. Comment on change de père? Ah oui, ouais, c'est bon, on va démarrer le prochain niveau, c'est tout. Un broligo de roulouf, et on va prendre Harmony. Donc voilà. Ah, par contre, ce niveau-là, je l'aime pas du tout. Alors écoutez, j'ai envie d'aller vite, mais pour ce niveau-là, je vais quand même prendre mon temps, parce que, en fait, ce... Ok, c'est bon. Ah, ça commence déjà. En fait, ce niveau là c'est vraiment le niveau qui me fait un peu rager tout le temps, et sur lequel je passe un petit peu trop de temps, justement. Donc c'est bon, j'ai pas envie de m'éterniser là dessus Ok, nice. Hop là. Bon, c'est pas dur, hein. Eh ben attendez, je peux monter. Bah oui. Oui, ça c'est un mur, donc je peux monter, évidemment. Et toi, tu vas pas me saouler, frérot. En vrai, ce niveau, faut surtout prendre son temps et d'une certaine manière anticiper. Alors attendez, juste, je vois l'étoile, je vois l'interrupteur pour truc là. Oh, je vois un Luigi Pixel là-bas. Juste, il me manque une étoile. Elle est où? Ah non, la deuxième étoile, elle est pas là. Ah, c'est peut-être celle-là, et la troisième, elle est ailleurs. Enfin, elle est plus loin, quoi. J'espère, hein, parce que...
Ouais, ok, ouais, c'est bon. L'interrupteur, c'est pour harmonie, si je me trompe pas. Et aussi, si je me trompe pas, c'est pour le tampon. C'est pas pour une étoile. Ok, nice. Wouhou! Magnifique. Un maximum de monnaie. Et... Ok, me saoule pas toi. Merci. Je vous jure, je vais prendre mon temps. Franchement, si je termine ce niveau sans mourir une seule fois, je crois que c'est un record. Hein. Il me semble que jamais de ma vie... Aïe, aïe, aïe. Ah, et puis c'est vrai qu'elle peut, elle peut spin, Harmony, c'est vrai. Ouais, ok. C'est ça, c'est le... C'était bien le tampon. Mais ouais, là, si je termine ce niveau sans mourir une seule fois, c'est un record. Hein. Ok. Ok. Ah, faut être deux? Pourquoi? Comment ça, faut être deux? Ah, mais il devait y avoir une cerise. Ok, c'est bon. Ah oui, c'est dans un bloc caché, je crois. Hein. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est vrai. C'est la première fois de ma vie que je termine ce niveau sans mourir une seule fois. Sans mourir, c'est la première fois de ma vie. Oh, je vous jure, je suis content, je suis plutôt content, ça commence bien. Le niveau final est super dur car il n'y a pas de checkpoint, il ne fait Tanuki, invincible. Soit la dernière partie où il faut ramasser les pièces clés orange tout en accélérant sans mourir. C'est vrai que le niveau final de ce jeu est quand même hard. Hein. Tu vas faire tous les tampons, ouais, c'est vraiment 100%. Les picots condors ressemblent plus à des tortruches hybrides entre une autruche et une tortue avec des lunettes de soleil qu'à de vrais condors. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. Let's go, allez, quatrième niveau. Non, je veux pas changer par contre. On reste avec Harmony, on reste avec elle. Ah oui, c'est ce niveau-là. Ah, celui-là, il m'avait tellement impressionné. En vrai, le moyen le plus rapide pour terminer ce niveau-là, c'est prendre le Toad. Parce que c'est lui qui court le plus vite. C'est le Toad, le perso le plus rapide, alors voilà. Ok. Let's go. Magnifique. Tampon. Mais évidemment, il faut... Oh la blague, faut récupérer tout ça avant là, les étoiles et tout. Oh, il veut pas aller plus vite là? Je vous jure, j'avais peur de sauter parce que j'avais peur qu'elle chope le... Bah, qu'elle le chope le drapeau en fait. Avant, si je m'arrête, il s'arrête aussi. D'accord. Ok, alors attendez. Par contre, frérot, là il s'arrête plus par contre. Hein. Ok. Magnifique. Ok, c'est bon. Salut Ice Ace, ça va super et toi? Ok, Maru Tanuki. Why not? Magnifique. 255 étoiles. Il y a combien d'étoiles dans le jeu déjà? Au total, je sais plus. Il n'y en a pas 320, un truc comme ça? Je sais plus. Bloc en stock. Let's go. Oh, on va prendre cette musique-là. Ah, cette musique, elle est incroyable par contre. Remix de 3D Land là. Ça fait plaisir. Ça, c'est vraiment un niveau pour se détendre, hein, vraiment. C'est vraiment une blague. J'ai vraiment pas lancé comme je voulais, mais c'est pas grave. Ok. Ça change quelque chose là? Ah, ouh! Ok, j'avais zappé ça. Ok. Alors, je vais pas péter les blocs en bas là. Enfin, les vrais blocs, pas les briques. Ok, ah oui, non, là y'a rien. Y'a plus rien. Ok. Par contre, là y'a un truc. Let's go. Magnifique. La 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 la. Hop là. Oh, c'est celui-là qui me mène en haut. Ouais, ok. Failli me fail. J'ai failli me fail. Ça va pas. Regardez, moi j'ai pas. J'allais dire, j'ai pas besoin des blocs là. Je voulais pas. Bah, je pensais pas que c'est. C'est lui qui m'a amené tout en haut. Hop là. Papa. Let's go. Ok, il faut péter les blocs là. Je pense. Je sais plus, hein. Non, ok, ça sert à rien. Ah, par contre, ça m'a fait voir qu'il y avait un tanuki là. Hop là. Magnifique. C'est bon, c'est la deuxième. C'est nice. Ok, super. Nice. Oh, le double kill. Il a fait plaisir. Ah oui, ça, c'est un générateur de bombes, hein, normalement. Ok. Ok, par contre, il manque la dernière étoile. Où est-ce qu'elle est? S'il vous plaît. Bah là là là. Ok. Ah oui, bah oui, elle est là, c'est bon. Ok, c'est nice. On peut s'en aller. Ok, attendez. Ouf. J'ai vraiment peur de me fail là. Alors, je préfère.
Minimiser les risques. Merci. Les gros coupables footballeurs américains, ils s'appellent Bulldozer en français et Fred Lafonce au Québec. Il s'appelle vraiment Fred Lafonce au Québec? Charging Chuck en anglais. Ouais, ça c'est bon. Non, mais au Québec, il s'appelle vraiment comme ça, sérieux? Je te crois pas. Je préfère ce jeu au 3D Land. En vrai, 3D World. Je préfère large celui-là. Même si 3D Land est très bon et c'est un des jeux de mon enfance, hein, mais 3D World, c'est un 3D Land 2 en mieux fait. Voilà. Let's go. Let's go. Magnifique. Hop là. Bon, niveau à scrolling, hein. Désolé, me déplaît un peu, mais bon. Ah, c'est super le scrolling. Pourtant, c'est la pure vérité, c'est même leur nom officiel québécois. Mais non. Ah, mais ils abusent sur certaines traductions. Ah, les Québécois, ils abusent, hein. Vraiment, mais surtout pour eux. Comment t'as dit Fred Lafonce? Waouh, c'est quoi ce nom, hein? C'est pas un vrai nom, ça. Enfin, c'est un prénom pour quelqu'un de... Pour une vraie personne. C'est un prénom, c'est un nom pour une vraie personne, mais pas pour un ennemi de jeu vidéo. Non mais sérieux, il est sorti sur la Wii U fin 2013. Ouais. Il y a 380 étoiles vertes. Ouais, ça dégage les plantes là. Hop là. Et 85 tampons. Ouais, ok. Ah oui, 380. Ouais, c'est vrai. Hop là. Bim. Non, la blague. Le boomerang s'est fait péter par une boule de feu. C'est vraiment une grosse blague. Bon, c'est pas grave. Par contre, me saoulez pas, please. Merci. Ok. Ah bah c'est, oui, c'est bon, j'ai tout. Hein. Moi, je peux m'en aller. Et bah oui. Ok. Aïe, 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 aïe. Ok, super. Ok, moi je préfère 3D World à 3D Land vu que Princess Peach elle est jouable. Ça ne m'étonne pas. Non mais c'est une dinguerie d'appeler un ennemi comme ça. Fred... Comment ? Fred Lafonce. On dirait un nom d'entrepreneur, on dirait pas un nom d'ennemi dans un Mario quoi. C'est Space, hein. Grotte méga, let's go. On a déjà bientôt fini ce monde. Ils sont pas sérieux. C'est le truc en avant-plan là qui a fait que je les ai pas vus. C'est vraiment une blague. Hop là, magnifique. Y'a quoi là-dedans? Y'a nada. Hop là. Et par contre, pourquoi elle a pris autant de vitesse là? What? C'est quoi le move que j'ai fait pour qu'elle prenne autant de vitesse? Honnêtement, j'en sais rien du tout. Ok, là y'a une étoile. Let's go. Ah non, c'est un temps. Ah, c'est le tampon. Ok. Let's go. Wouhou. Ok, là, il y avait une étoile. Nice. Ouais. J'adore ce niveau. Parce qu'il y a le méga champi dedans. Méga champi qui est mon power préféré all time. Sachant qu'il est apparu dans Mario Bros. DS. Et Mario Bros. DS qui est mon tout premier Mario. Et mon tout premier jeu également. Ah mince, j'ai mis le curseur. Ok. Ok. Allez les bloops. Au revoir. Merci. Bye bye. Ok, super. De toute façon je peux. Là je peux pas y aller tant que la transformation n'est pas finie. C'est vraiment une blague. Allez, 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 vas-y. Faut aller là. Ouais. Je me souviens de la lumière là. Regardez la lumière. Pop pop pop. Ah. Ok, super. Oh là 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 là. Je vous jure, j'adore ce niveau. Papa la la la. Ah 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 ah. Ok, attends, il m'en manque une. C'est bon, ok. Oh, ça va, le timing il est large. Près de la France, entreprise de construction. Maman, on dirait. Hein. J'avoue que là, pour le coup, le nom québécois est totalement éclaté au sol. Mais ça fait pas nom d'ennemi Mario quoi. C'est pas. Non? Ok, attendez, on va faire ça. Hop là. Oh, j'ai failli me fail en beauté là. Ouf, j'ai eu très chaud. Non mais Fred Lafonce, appeler ça comme ça un ennemi. Appeler un ennemi comme ça, mais c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Et le tampon méga champi, let's go. Salut Stacy. J'oublie pas ta dédicace dans le premier épisode de Tomodachi Life. Pas le track, c'est purée de poids. Ok. Ah, c'est ça. Ah, j'aime bien ça aussi. Ouais, ça c'est stylé, hein, franchement. Mais c'est très glauque en même temps. C'est la première fois dans un Mario qu'on est dans un cimetière. Hein. Vraiment un cimetière à proprement parler. Hein. Je veux dire, là, y a avec des tombes et tout. En plus, tu dois marcher sur les tombes et tout. Eh, c'est glauque. Hein. Mais bon,
C'est pas moi qui choisis. Et en même temps, c'est une musique relaxante. C'est pas une musique qui fait peur ou quoi. Relaxante, enneigée et tout. Non, franchement, ce niveau est vraiment insane aussi. Hein. Ouais, ok. Alors écoutez, là, on va faire ça. C'est vraiment une blague. Je voulais juste me cogner contre le truc là, mais bon. Et là, on va faire ça aussi. Ça passe. Bah oui. Je prends juste la part pour savoir laquelle mener ici. D'accord, c'est ok. Hop là. Ah, nice. L'étoile, ça c'est pour libérer le Capitaine Toad. Magnifique. Oh là là. Je les ai déglingués tellement vite. Ce niveau qui a des bonnes vibes de Mario Galaxy. C'est vrai. La dernière clé, elle est où? Elle est là. Ah, dommage, j'ai pas pu la récupérer comme ça. Les grenouilles vertes invisibles qui lâchent des pièces s'appellent toutes des crapaudons car elles ressemblent à des porte-monnaies, notamment leur bouche jaune. Ah oui. Ah oui, celles qui s'enfuient. Ouais, ok, je vois lesquelles. Je vois quel ennemi tu parles. Ok, super. Et ce jeu a beaucoup de refs Mario Galaxy aussi, hein. Surtout dans ce monde-là. Dans les mondes d'après aussi, je sais plus. Enfin, dans les mondes spéciaux, en gros. En tout cas, ce monde-là, il y a vraiment des refs Mario Galaxy. Enfin, c'est... Il y a même un remix d'une musique de Galaxy. Enfin, c'est cool. Et j'ai hâte de refaire Galaxy, hein, d'ailleurs. Hein. C'est pas ici à droite, là, qu'il y a un chemin, non? Non. Ah non, c'est ici? Alors, je pensais pas à ça, mais... D'accord. Hop là! Let's go. Ok, ouais, puis ça, c'est un piège. Ok, super. Là, faut que je remette une boule de neige. En vrai, je pense que... L'étoile là, je peux même la récupérer sans. Oh, j'ai eu peur. Je vous avoue, ça m'a fait peur. Je suis sûr, l'étoile là, je pouvais la récupérer même sans. Cactus blanc s'appelle Poki des neiges. Ouais. J'allais dire, l'étoile, je suis sûr, je peux la récupérer sans. Sans poule de neige en fait. Mais par contre, la façon dont je suis mort là, et. Non, c'est n'importe quoi là. C'est pas normal. Mince, j'ai mal évalué le truc. Je vais pas. Voilà, je vais attendre. Éviter les plaques d'accélération et j'allais juste attendre. Et si je commence à me fail après, je vais faire que ça de me fail. Et vous savez quoi? Hop là. Magnifique. Si je peux, je vais essayer d'avoir le haut du drapeau, mais sans utiliser ce qui est prévu pour. La deuxième étoile, comment j'ai pris du temps à comprendre? Ah, dans la boîte mystère avec la... Parce que quand tu t'approches, elle disparaît. Ouais, c'est vrai, moi aussi, je me souviens. Hein. Je comprenais pas comment la récupérer, celle-là. Il me manque comme tampon, c'est Mario, Luigi, Toad et Harmony. Après, j'ai fini à 100% mes flemmes à les avoir. J'ai réussi à finir le dernier jeu avec Princess Peach. Je suis trop content, ouais. Ok, on est déjà au dernier niveau. Ok, oh, c'est... il est moins long que je pensais. Donc écoutez, déjà on récupère ça. Après, tu me demandes si je vais faire le jeu et récupérer tous les tampons. Tous, sauf les tampons de chaque perso. Parce qu'en fait, ça comprend de finir tous les niveaux du jeu avec chaque perso. Donc en gros, faire le jeu 5 fois, parce qu'il y a 5 persos. Ça, non, je vais pas faire. J'ai un peu la flemme. Je l'ai fait une fois, ça m'a bien saoulé. Et moi, c'est marrant, on dirait un générateur d'anecdotes aléatoires. C'est vrai. Est-ce que t'avais fait le niveau Mario Kart dans le monde 3? Ouais, là tous les mondes précédents, là je les ai tous faits déjà. Je les ai tous faits et les épisodes sont dispo sur ma chaîne. Let's go. Alors par contre, eux, ils vont pas me saouler. Ah, comment j'aime pas ce niveau par contre. Ce niveau, franchement, franchement non. Ok, vous savez quoi? Allez, venez. Hop là. J'ai failli me... Je vais me jeter dans le vide pour lui là. Hop là. Ok, non, là il y a rien. Là-bas. Non. Ici. Juste de la money, c'est bien, mais c'est pas assez. Alors attendez. Sérieux, il y avait que ça là? Par contre, ce passage là, Nintendo, je sais pas ce qu'ils avaient dans la tête, mais je vous jure, quand t'es débutant, ça c'est super dur à monter, hein. Vraiment, hein. Rebondir comme ça sur 3 boulets de canon d'affilée alors qu'ils tirent pas. Mais ils sont pas tirés en même temps. Enfin, je sais pas si vous ce que je veux dire, mais bref, quand t'es débutant, franchement, c'est compliqué. Hein. Salut Kirbo, hein, d'ailleurs. Excuse-moi. Oh, le petit Luigi Pixel là, je l'ai vu. Eh, je peux quand même tourbillonner alors que j'ai ça là. D'accord. Hop là. Super. Par contre, laisse-moi passer toi, frérot. Ok, bon bah c'est nice. Deuxième étoile, il manque plus que la dernière. Genre ce niveau, je l'aime pas. I dislike this level. Ouais, ok. Par contre, je voulais aller là. Merci. Je vous jure, les sections aquatiques, en plus en scrolling, c'est tellement naze. C'est horrible, hein. Vraiment, hein. Ok, alors là, attendez. Let's go. Magnifique. Ok, attendez, là je me mets bien au bord. Magnifique. Super.
Ok. Non mais c'est une blague. Mais attendez. Ah bah c'est bon. Ok. Alors attendez. Hop là. Non mais... Ah fallait pas le mettre trop tôt. Ok. Ce jeu, tellement je l'aime, j'ai tous les tampons. Ouais bah moi aussi. Après je l'ai fait une fois le vrai 100% et faire le jeu, enfin tous les niveaux avec les 5 persos. Mais je le referai pas deux fois. Tu vas faire le 100% ouais. Enfin finir là je sais pas. Mais en tout cas là on continue le 100% ouais. Ah bah attendez mais je suis bête. Mais c'est vrai t'as pas besoin de re-récupérer. Une fois que t'as récupéré t'as pas besoin de re-récupérer dans cette version là. Bah oui. C'est un peu cheat hein, vous me connaissez mais bon. Il y a des risques dans ce jeu mais pas de la qui tue. C'est vrai. Bah non y a pas de la qui tue hein. Je crois pas. Ok nice. Ah l'enflure. Attendez. Hop là. Non. Oh c'est pas passé. Ouh. Hop là. Ah voilà c'est bon. Bon c'est la dernière ligne droite là. Pa-pa-la-la. Mais oui mais il me semblait que ce monde était, était un peu plus long quand même hein. Ok super. Non non non. Ah attendez. Ouh. Ok c'est bon. Ouh. Je vous avoue, ça m'a fait peur. Aïe, 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 aïe. Salut, Dralton. Les roulés craques, on dirait des grelèmes sans jambes et sans tête. Oui. Ce niveau, c'est l'un des plus durs du jeu. Ouais, je sais. Très relou. De la même manière, il n'y a pas de squelérex, juste des parasquelérex. Ah, c'est vrai. Et c'est vrai. Monde bonus vous est désormais ouvert. Bah oui. Et ah, j'ai pas fait le... Ouais, Capitaine Toad. J'ai vu tout à l'heure, j'ai complètement zappé. Capitaine Toad fait preuve de bon sens. Ça doit être ça. Bon ça c'est pas dur hein. Ça c'est pas dur. Vous êtes 21 sur le stream. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là. Même si j'ai zappé des commentaires. Il me semble pas hein. Mais si jamais j'ai zappé des commentaires. Désolé. En tout cas merci à tous d'être d'être là. D'être présent sur le stream. Faudra que qu'on fasse Capitaine Toad d'ailleurs le jeu. Le jeu Capitaine Toad je l'ai hein. Je l'ai mais j'ai toujours pas fait. Papa la la la. Ok. Ok. Alors attendez, il faut que je passe là. Ah oui, ah oui, oui. Ok. J'avais pas vu que je pouvais descendre là. Ok, c'est bon. Hop là. Je pensais que j'étais obligé d'appuyer sur le P. Donc ouais. Bon, c'est bon. Papa la la. Papa 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 la papa la 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 la. Ah, c'est pas grave. Ok. Bon, il y a un champignon, mais clairement le champignon, je m'en tape. Hop. Let's go. Tu vas tout récupérer. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment 100%. Toutes les étoiles, tous les tampons, tous les hauts du drapeau. Trop cool ce jeu. Ça me rappelle trop de bons souvenirs. Eh ouais. Ce jeu, maintenant, il fait partie des nostalgiques. Hein. On dirait pas, hein. Mais ouais. Alors, attendez. Je veux juste être sûr que j'ai tout ici. Ah, mais la blague. Mais ça m'a... Mince. Monde étoile, monde étoile. Ok, on est bon. Trop bien, un gameplay sur Capitaine Toad. Non, mais en vrai, ça pourrait être pas mal. Comme le Paratroopa, mais version squelette. Ouais. Fulba, dans ce jeu, il crache des poulets de canon. Alors que dans Mario Galaxy, il donne des coups de tête. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai. Pa la pa pa pa. Ok. Bah écoutez, nous sommes du coup au monde champignon. Monde champignon, il est vraiment pas loin du tout. Hein. Voilà. Grosse colère dans la maison mystère. Dites-moi après. Je comptais faire que le monde étoile et le monde champi. Mais dites-moi si vous voulez que. Bah qu'on termine le jeu direct là en live aujourd'hui. Je fais vraiment des lives de qualité. C'est très gentil, merci beaucoup. Ça veut dire que j'ai fait les paramètres qu'il faut pour que justement les lois, les lives pardon soient quali. Donc tant mieux. Hop là, bim, je me suis fail, c'est pas grave. Hop là, ah ça c'est la grenouille ça. Ouais, ok nice, let's go. Allez, vomis toutes tes pièces frérot. Voilà, magnifique. On est déjà à la moitié, c'est bon. Hop là, super, magnifique. Hop là, allez, voilà. Ils ont du mal des fonds, hein. Ils ont pas envie de se faire tuer là. Magnifique, oh. Super, plus que deux. Ça va pas être dur après. Ah la blague. Ah ça l'a même pas eu, par contre. Voilà, merci. Ok, allez dernier. Frère marteau, ok. Les frères marteaux, ils sont beaucoup plus relous dans les Mario Bros en vrai. Mario 3D, ça va. Hein. Franchement, ça va. Les développeurs étaient vraiment pas fans. Étaient vraiment fans de Mario Galaxy. Ils pouvaient pas s'empêcher de mettre des éléments dans 3D World. C'est question de référence, hein. Mais ils ont raison. Par là, pa-pa-pa. Eh oui, il va pas y avoir qu'un monde secret quand même. T'as pas eu le temps de préparer un live? Non, ça va. Enfin, maintenant que j'ai tous mes paramètres de prédéfinis, oui, ça va. Ouais, dites-moi là en commentaire si vous. Enfin, dans le chat, si vous voulez qu'on fasse vraiment tout le reste du jeu. Dites-le moi. Perso, c'est mon Mario préféré. Ça se comprend. Alors, par contre. Tu as déjà fini le jeu à 100%. Ouais, 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 ouais. Mais là, on le refait. Parce qu'on le refait. C'est tout. Hop là. Bim. Ah, par contre. Ah non, non, c'est bon. Ok. Ah non, ça va. Ok, je pensais qu'il allait avoir un interrupteur Mario. En fait, c'est dans le niveau original. C'est pas dans celui-là. Hop là, magnifique. Papa, pa, 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 pa. Magnifique.
Ok. Ok, super. Comme vous le voyez, par contre, là, j'ai du temps très limité, par contre. Je crois que j'ai commencé avec 30 secondes, il me semble. Hein. Et là, le but, c'est de récupérer des chronos. Hop là, magnifique. Hop là. Biou, biou. Attends, il n'y a pas un truc, là? Non, ok. Ok, ok, ok. Par contre, c'est pas à partir de ce monde qu'il n'y a plus de tampons. Je sais qu'au bout d'un moment, dans les niveaux, il n'y a plus que des étoiles. Il n'y a plus de tampons, après. Ok, alors, attendez. Déjà, là, il y a une étoile. Voilà, merci. Faut aller là-dedans, hein. Ouais, ok, super. Attendez, je vais pas mourir là-dessus quand même. Vous me prenez pour qui? Non, non, non. Il en manque un? Ah oui, oh, je l'avais pas vu, désolé. Ok, par contre là, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Il me reste que 10 secondes. Ah, attendez, je vais déjà récupérer le chrono qui est là. Ok, encore un chrono ici. C'est cool, allez. On va pas prendre de risque, hein. Pas envie de recommencer le niveau au complet juste parce que j'ai pas pris un chrono. C'est bon. Ok. Hop là, magnifique. Ouais, tout le reste du jeu, pourquoi pas, ça serait cool. Ok, bah on va voir. Est-ce que tu peux faire le quiz sur Jetpunk où tu dois deviner toutes les maps de Mario Kart? Ouais, pourquoi pas. Harmonie, la go de Mario 3D World. Ouais, ce monde est très court, hein. Là, il y a 4, 5, 6 niveaux, hein, c'est tout. Il y en a que 6. Tu vas faire quoi, un let's play Mario Party? Je sais pas. Let's go. Je sais pas encore pour Mario Party, là, ça dépend. Déjà, on fait tous les nouveaux jeux et après, on verra pour le reste. Pas tous les nouveaux jeu, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres à côté. Là j'en ai déjà prévu un autre, mais ouais, ça on verra plus tard pour les Mario Party. Ah, c'est vraiment une blague, dégage. Alors oui, mais par contre, ok, j'ai de la chance de jouer Harmonie, hein, pour pouvoir faire ça, hein. Hop là, magnifique. Ok. Ah oui, ah normalement pour ça il faut le... Ouais, il faut le chat. Ok. Mais ça va, ça va, ça va. Let's go. Donc 2 étoiles. Eh oui, bah en fait je crois que c'est à partir de ce monde là il y a plus de tampons. Ah par contre je peux pas. Bah oui. Mais c'est vrai, j'avais jamais... Enfin c'est pas que j'avais jamais remarqué, mais j'avais jamais fait le lien. Il y a des risques dans ce jeu, mais il n'y a pas de lac qui tue. C'est vrai, c'est totalement vrai. Je ne sais pas... Je sais pas pour quelle raison. Mais écoutez, après ils font ce qu'ils veulent, hein, les développeurs. Ok. Hop là, magnifique, double kill. Ok, il manque juste la dernière, hein. Et là? Oui. Ok, super. Ok, faut que j'aille ici? Ah oui, ah oui, ok, oui. Je les appris qu'il fallait récupérer des... récupérer les clés, en fait. Par contre... Et ne pas voir en bas, c'est très relou. J'ai pas envie de tomber dans le vide. Ok, non, c'est bon. Magnifique. Attendez, il me faut le chat. Eh, j'entendais un bruit bizarre, mais en fait, c'est dans le jeu. J'avais pas capté, je vous jure. Ok, oh là 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 là, let's go, j'ai trop de la chance de jouer avec Harmonie. Faut arrêter d'appeler les magiciens Koopa des Kamek, c'est des magiques Koopa. Au Japon, en revanche, ils s'appellent tous Kamek. Oui, c'est vrai, j'avais vu ça. Juste magique Koopa, c'est trop long à dire. Il y a un autre monde après celui-là. Alors, je veux pas te spoil si tu connais pas, mais oui. tu déchires avec tes lives, ta chaîne est vraiment parfaite. Merci beaucoup, ça sort quand le Luigi's Mansion? C'est à la fin du mois. Dans moins d'un mois, là, en fin juin. Bah, à ce moment-là, peut-être que ma repartie, on fera ça en live, hein. Je sais pas. Mêlé dans le corridor des ombres. Ok, 100 secondes. Ça va, 100 secondes. Honnêtement, tranquille. Kamek a la voix de Titeuf dans le film Mario. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que le doubleur qui. Bah, celui qui double Kamek, c'est la voix de Titeuf dans le film, c'est vrai, hein. J'avais vu ça, hein. Ok, let's go. Hop là. Attendez, je peux juste prendre la bombe, hein. Oh oh oh. Moi, j'aurais pu en exploser plus quand même, hein. Je suis... Mais bon. Allez, ça, c'est pour la suite, par contre. Ok. Frérot, t'as pas besoin de me mettre un bloc caché pour que je puisse monter. Normalement, j'ai pas besoin. J'ai vraiment pas besoin, quoi. Ok, bon, bah ce niveau était très rapide. Mario Party préféré, c'est Mario Party 9 et Super Mario Party. C'est vrai que Mario Party 9, il était vraiment insane. Ouais, écoutez, on va continuer là. Nuit sur la mangrove. Bah, comme elle a dit, hein, let's go. Par contre, voilà, pour me donner des lampes pour que je tue les fantômes. Ah, par contre, attendez. Bah, y'a pas un power-up là? Ah non. Je pensais à un chat, en fait. Hop là, j'aurais pu y aller sur le radeau qui était en bas là. Ok, nice. Mais j'ai pas envie de manquer d'étoiles parce que ça m'était déjà arrivé. Ok, c'est bon. Je suis dégoûté. Je pensais que j'allais atterrir sur la plateforme direct. Ok, c'est bon. J'ai plus de lumière, mais c'est pas grave. Ah, vous êtes en train de faire un débat sur le film Mario là, sur les... J'ai pas de lumière, la blague. Genre ça passe?
Ah ouais. Ah la blague. Alors attendez. Une seconde. Ah c'est une blague. J'avais pas vu que le radeau était plus là, mince. Hop là. Magnifique. J'ai eu la dernière étoile. Oui, ok, c'est bon. Ah mince. Hey. Ok. Salut Capitaine Todd, juste derrière. Ouais, je dis bien la vérité sur mon DVD dédicacé par Donald, machin. Ok. Les doubleurs VO du film, mais pas les français. Je trouve la musique un poil dynamique pour un niveau obscur. Ouais, ils auraient pu mettre un... Ils auraient pu remixer un peu la musique. Ok, let's go. Écoutez, on va se taper. Voilà. Alors là, il faut ça, par contre. Hop là, magnifique. Ok, c'est vraiment une grosse blague. Nice. Derrière, il y a... Ah oui, si, il y a quelque chose. Je sais que dans le niveau de base, il me semble qu'il y avait rien, là. En tout cas, rien d'intéressant. Ok. Paralapap. Ok. Tchidudut. Hop là, magnifique. Magnifique, ok. Bon, le champi, je m'en fous, hein, très clairement. Ah, par contre, là... Attendez, il faut que je récupère une petite balle de baseball. Hop là, magnifique. Donc, juste une balle de baseball, ça peut éclater une grosse boule piquante comme ça. Tout à fait logique. C'est vraiment une blague. Hop là, bim. Pas envie de me faire tuer. Merci. Ok, super. J'ai une étoile. Ouais, il me semble que c'est la seule à récupérer pour le moment. Et puis je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ce niveau là, bah en fait la première fois qu'on le fait, ça c'est la, là c'est la deuxième fois qu'on le fait. Hein. En fait la première fois qu'on le fait, en fait à l'intérieur c'est le jour, et là quand t'es dehors c'est la nuit. Bah non mais, non, attends, je suis en train de dire une bêtise, si c'est à l'intérieur, non il n'y a pas de jour ou nuit à l'intérieur. D'accord, ça m'emmène vers la, vers l'étoile, hein. Ouais ok. Enfin, je veux dire, en fait, la première fois qu'on fait ce niveau, l'extérieur, en fait, c'est la nuit. Et là, du coup, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Là, c'est le jour. C'est pas grave. Vous en faites pas. Ah, c'est un petit peu grave, si. Ou alors, non, on va se mettre là. Attendez, on va se mettre là et on va attendre. C'est vraiment une grosse blague. La collision, elle est un peu bizarre avec ça. Hein. Non, ok. Ah, attendez, je vais pas l'avoir comme ça, là. Je vais sauter. J'ai juste sauté trop loin, la blague. Ouais, là ça a l'air d'être assez compliqué pour l'eau du drapeau sans l'hélico. Alors vidéo, si c'est pas indiscret, je travaille dans quoi? Je suis responsable adjoint en boulangerie. Adjoint de vente, hein, je précise. Mario utilise le pouvoir de tourner dans ma galaxie grâce au Luma beige, mais Harmony est capable de le faire sans lui. Bah oui, vu que c'est la maman des Luma. Enfin c'est la maman des Luma, après c'est les Luma qui l'ont recueilli, hein, mais... La nef des bouches. Et ils expliquent dans Mario Galaxy, hein, il me semble que c'est les. Ouais, c'est les Luma qui ont recueilli Harmony, hein, pas l'inverse. Je crois, hein. Dites-moi si je me trompe. Parce que vraiment, je sais plus. En fait, je sais plus. Mais il me semble que c'est ça. Attendez. Frérot. C'est rien d'intéressant, ça. Ok, let's go. Oh là 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 là. Eh, franchement, en cette fin de jeu, là, on a beaucoup le méga champi, quand même, hein. Alors, par contre, là, il y a un truc ici. Ouais, ça, je me souviens. Toi, tu dégages, frérot. Un truc important, hein, je parle. Là aussi. Ah oui, j'ai failli le louper. Hop là. Magnifique. Wonderful. Ok. Hop là, on va faire ça. Et pour lui aussi. Ok. Super. Attendez, il y en a un autre là, hein, normalement. Bah oui. Magnifique. Hop là. Bim! Ouais, faut pas me tenir tête à moi là. Hop là, magnifique. Eh ouais, alors par contre, lui va pas me saouler. Merci. Super! Les bouches ont des gros nuages blancs qui soufflent très fort. Oui, on a vu. Ouais, on a commencé les lives, c'est bon. Cool que tu fasses des lives, ouais. Peut-être faire des courses Mario Kart 8 en live. Ouais, c'est prévu, ouais. Mais par contre, pour le moment, je peux pas jouer online et faire un live en même temps. Ça, je peux pas. Mais je pourrais très vite, hein. Ça, vous en faites pas, c'est qu'un petit problème. Pas un gros problème. Feras-tu Mario Bros. U Deluxe? Ouais. Ouais, il y a des chances. Bah, pas maintenant. Je le ferai sûrement, oui. Mais oui, pas maintenant, du coup. Ok. Hop là. Houhou.
C'est vraiment une grosse balle, je vous jure, je pensais pas que j'étais qu'il était sur moi. Je pensais vraiment pas. Mais c'est bon, j'ai un autre Tanuki. Ok, nice. Moi j'ai la flemme d'attendre les plateformes, hein, très clairement. Puis là, il y a rien. C'est bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hop là. Vous ne me saoulez pas, please. Ok, non, c'est bon, c'est bon. Et je vais pas me tuer pour rien quand même. Enfin, bêtement surtout. Attendez, oh. Ah non, ah non. Ah, y'a pas d'étoile là? Ben non, elle est là. Voilà, magnifique. Wonderful. Hop là. Bim. Bim. C'est relou d'attendre. Ok. Non, non, non. J'ai eu trop peur de me cogner contre la plateforme, je vous jure. C'est trop cool, au moins ça change un peu. Ouais, bah ça rajoute quelque chose, c'est sûr. J'ai adoré toutes tes vidéos sur tous les jeux Mario, merci beaucoup. Alors attendez, c'est du coup... Ouais, monte champignon, c'est out. Écoutez, c'est super cool. Donc voilà, on a terminé mon étoile plus monte champignon.